Bonjour, alors hier on m'a prévenu pour me dire que TPMP avait parlé de Paul. Donc je suis allé voir ce matin en replay pour voir ce qu'ils avaient dit sur lui. Donc bon, au début c'était plutôt bienveillant, plutôt sympathique, voilà. Donc, il parlait de son syndrome d'Asperger, etc., etc. Bon, c'était vraiment très, vraiment sympa. Et puis d'un seul coup, bah, comme d'habitude, ils nous ont sorti le diable de la boîte, Gilles Verdez. Donc ben voilà, donc Gilles Verdez qui a annoncé que l'émission était pipée, que les questions étaient, étaient pas faciles. Alors si Monsieur Gilles Verdez, bon, qui lui est normalement un grand journaliste, puisqu'il paraît qu'il a été rédacteur en chef du Parisien, etc., etc. Donc s'il était un vrai grand journaliste, s'il regardait un peu plus l'émission, il faut savoir que tous les candidats, je veux dire tous les maîtres de midi, sont logés à la même enseigne. C'est-à-dire qu'ils ont tous, ou toutes eu des questions hyper faciles. Donc, Paul n'a pas plus comment dire, de questions faciles que les autres. Donc, et puis en plus, comme on peut voir, comment dire, comme on a pu voir aussi hier, par rapport à, selon le proverbe, qu'est-ce qui forme la jeunesse, donc bon, bah, c'était les voyages. Ça, il n'a pas pu répondre. Donc, si quelqu'un le prend en duel, il peut partir sur une question, mais vraiment, comment dire, toute bébête. Vous voyez? Donc, bon, je pense qu'il faut arrêter avec ce genre de truc. Ensuite, Ludivine nous a sorti que TF1 était en train de nous faire le remake de The Good Doctor. Donc, peut-être, allez, un petit coup de promo pour mon t-shirt que je veux pas, The Good Doctor. Et pourquoi pas aussi un remake de Rainman avec Rashman. Ou bien un remake de Paul. Le troisième type, c'est lui, c'est un film sur un extraterrestre, sauf que là, c'est un terrestre extra. Voilà, donc, bon, bah, sinon, bah, j'ai grâce à, comment dire, à ma vidéo d'hier, j'ai pu contacter donc, le papa de Paul. Donc, je lui ai dit que j'avais créé donc, un fan club sur Facebook. Donc, bah, Paul m'a prévenu aujourd'hui qu'il y a un fan club. Bon, je ne pense pas qu'il va répondre, bon, parce que voilà, je pense qu'il a un devoir de réserve par rapport à la production. Donc même si j'essaye de les contacter pour les interviewer, je sais qu'il ne voudra pas, parce que comme l'avait dit Tata Verdeux, il y a un devoir de réserve. Donc en général, ils attendent un petit peu, et puis en général, ils passent d'abord par la presse. Donc c'est pas que j'ai mauvaise haleine, mais bon, c'est comme ça. Donc bah, comme je vous dis, donc vous pouvez aller sur...